Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour cette seconde partie dans la zone de Symphonia. Et donc on attaque la cinquième sous-partie, on va dire. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté la fois dernière, c'est-à-dire que certains s'étaient retrouvés être à souhaiter la disparition de la musique. Et devenir ainsi une gardienne fantôme. Voilà, et vu que la musique a été enlevée, bah, du coup la protection qu'il y avait autour de Symphonia, qui était liée justement à la musique, et bah, du coup a disparu. Et donc forcément, bah, les mobs, bah, ils sont rentrés dans le campus. Et ça va être le bordel. Clairement le bordel. Les monstres attaquent le campus. La musique a été volée à ce monde. Et maintenant la barrière ne fonctionne plus. Les gens de l'école sont en danger. Pff. Est-ce bien le moment de te soucier des autres? Mince. Fina, on doit fermer ce trou dimensionnel le plus vite possible. Si on réussit à le fermer, la barrière devrait s'activer de nouveau. Oui. Certa? Pourquoi fais-tu cette tête? Tu es si triste que la musique ait disparu? Oui. Parce que... la musique a toujours eu une grande place dans notre amitié. C'est grâce à elle que nous sommes devenus amis. Très bien. Dans ce cas, laisse-moi te poser une question. Est-ce uniquement grâce à la musique que nous sommes amis? Sans elle, n'y a-t-il plus d'amitié possible? Comment? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? La musique ou moi? Je... Eh oui, pour elle, c'est que là, pour elle, c'est les deux. Je vois. Ton silence en dit long. Non. C'est juste que... Assez. Je n'ai plus ma place ici. Je suis le gardien du fantôme maintenant. Et mon devoir est de vous empêcher de fermer ce trou dimensionnel. Bien dit, certains. Notre salut repose sur la protection du fantôme. Il est de notre devoir d'accomplir cette tâche ensemble. Dis, Coral. Cléomé est comme moi, n'est-ce pas? Elle est insensible au fantôme, non? C'est exact. C'est une élue, tout comme toi. Mais elle fait partie des héros du fantôme. Elle cherche à détruire ce que nous devons protéger. Donc elle peut se battre elle aussi. J'entends ça, Cléomé? Si tu tiens tant que ça à la musique, prends donc les armes et viens te battre pour la récupérer. Je ne peux pas. Alors reste en dehors de ça et laisse-moi mener mon combat. Débarrassons-nous d'abord des monstres. Nous nous occuperons de Coral ensuite. D'accord. Mais tu crois qu'il va vous laisser faire? Et il pense sincèrement qu'il va attendre que là ça s'occupe des monstres qui sont rentrés. Bon, après... j'y crois moyen, mais bon.
Bon, par contre, le truc de connexion en cours qui tourne 15 ans là, moche. Allez, donc du coup, apparition du fantôme jour 1, l'auditorium. Et c'est la foule en délire! Voilà, on retourne sur des bonnes bases. Bon voilà la super compo hein, qui va bien. Et dans l'idée ouais j'ai pas encore regardé ça mais il y a peut-être la fine amage bleue qui remplacera la fine amage du lotus hein. Ah, ça reste à voir encore, mais de toute façon, je l'ai level max, donc y a pas de souci. Mais après, comme y a pas encore, après y a encore des, là ça va, encore à prendre une magie bleue, parce que ça veut dire que ça va continuer d'en apprendre une à chaque nouveau monde. Je ne sais pas, mais après techniquement, dans l'idée, voilà, ça serait bien de se raccrocher de mon côté avec les persos utilisés, quoi. Bon, ensuite, on a du coup Bruce qui est arrivé aussi comme enfin première unité du groupe, donc c'est cool. Et ça augure du bon que les autres vont suivre au fur et à mesure. Quoi. Bon, le problème c'est que ça sera au mieux que toutes les deux semaines. Au pire, à mon avis, ça sera que tous les mois. Et après, si c'est tous les mois, mais qu'il y en a deux qui arrivent, finalement, ça va, quoi. C'est-à-dire, pendant le temps que dans l'histoire, il y ait un nouveau personnage dans le groupe, c'est-à-dire sur deux mois, en gros, on va dire qu'il y ait
quatre unités de groupe qui sortent en même temps, dans la même période, donc ça va. Après, même si c'est qu'une par mois, bah finalement ça rattrape au fur et à mesure, quoi. Sachant que Fina de base, bah, elle compte pas puisqu'on l'a déjà. Rose, ça vient de sortir. Donc après, il y a cinq persos, c'est ça là. Bon, après, j'y crois pas qu'ils en sortent qu'un par mois, à mon avis, mais on sait jamais. Ces monstres n'ont pas fait long feu. À votre tour maintenant. Ouais, c'est en gros là, c'est il y a 4 persos qui sont en stand-by d'arrivée maintenant en dispo. Donc Daisy, Kalmia, Poppy, Erin. Donc honnêtement, que ces 4 là sortent d'ici fin d'année, moi j'y crois sans problème. Après Cléomé, peut-être pas. Et là où les prochaines unités qui rejoindront le groupe, je sais pas non plus, mais bon. Mais dans l'idée, ça me paraît faisable. Hein. À votre tour maintenant. Attendez! S'il vous plaît, ne vous battez pas contre certains. Quoi? Écoute, c'est vraiment pas le moment de... Je suis sûr que je peux lui faire entendre raison. Laissez-moi essayer, je vous en prie. Cléomé, grandis un peu, tu veux? Ne gaspille pas ta salive. Comment? Lui faire entendre raison? Tu pars donc du principe que certains a tort. Mais c'est plutôt toi qui refuses d'entendre raison. Tu restes enfermé dans ton petit monde. Il est grand temps que tu te rendes compte que tu ne peux pas rester une enfant éternellement. Vous étiez peut-être proches jusqu'à peu. Mais les choses que vous aimez, les choses que vous voulez protéger, tout cela finit par changer et vos chemins commencent à s'éloigner petit à petit. Il va bien falloir que tu te fasses une raison tôt ou tard. C'est ça, devenir adulte. Ton amitié avec Certa est terminée, Cléomé. Et il est grand temps de l'accepter. Non. Ne l'écoute pas, Cléomé. Coral, pourquoi tiens-tu toujours des propos aussi radicaux? C'est vrai, les opinions des gens peuvent changer quand ils grandissent. Mais ce n'est pas une raison pour cesser d'être ami. Tu as raison, notre manière de penser est extrême. Mais, on se doit de l'être pour pouvoir changer ce monde. Coral, écoute-toi. Où est le Coral que je connaissais? Swan. Tu étais toujours si gentil avec moi. Si attentionné. Mais... De nouveau toi. Est-ce là ta conception du passage à l'âge adulte? Si c'est le cas, tu as tout faux. Tu ne fais que tourner le dos à ce qui importe en appelant cela de la maturité. Je ne pensais pas t'entendre un jour me parler comme ça. Très bien, dans ce cas, demandons à Certa. Certa, quel est ton sentiment là-dessus? Cléomé, si je dois choisir entre toi et un monde sans musique, alors je choisis un monde sans musique.
Que tu sois nerveuse ou pas avant une représentation ne change rien au résultat. Une fois sur scène, tu réussis chaque morceau. Tu ne trembles pas. Tu n'hésites pas. J'en reste sans voix à chaque fois que je te vois jouer. Et cela me rappelle à chaque fois à quel point je manque de talent. C'en est assez, je ne peux plus le supporter. Certa. Voilà sa réponse. Aussi radicale puisse-t-elle vous paraître. Si vous voulez à ce point déformer nos mots, venez donc vous battre contre nous. Bon, du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ah, voilà, il faut finir un match bleu dans l'équipe. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas choisir un partenaire. Non, j'aurais mis ma Fina Mage Bleu en partenaire directement, mais c'est pas, je veux que c'est pas possible. Bon, elle est où maintenant, celle-là? c'est un bordel tout ça. Je pense qu'elle est tout en bas. Ouais, c'est ça. C'est la seule qui n'a pas de récompense de confiance, forcément. Parce que c'est une unité de... Ouais, pas besoin de faire. J'imagine même pas à quel point ça a dû être dur pour toi, Certa. Mais rappelle-toi ce que cette souffrance t'a aussi apporté. S'il te plaît, n'abandonne pas quelque chose d'aussi important. C'est hors de question. Si je continue à vivre dans un monde de musique, mon cœur finira par se briser en 1000 morceaux. Certa. Oui, je suis toujours en mode extrême, on est d'accord. Mais bon, le principal, c'est pas d'être en mode extrême, c'est d'avancer l'histoire, tout ça. Après, c'est vrai qu'il manque le cap pour les 2000 PV et les 2000 de psy, quoi. C'est triste. Faudrait que je bosse là-dessus quand même. Bon, après, en vrai, si je bosse là-dessus, faut que je fasse directement sur la mage bleue si je pense la mettre de manière définitive à la place de la mage du lotus. Argh! Certa! Ça va? Ne t'approche pas de moi. Quoi? Les choses ne seront plus jamais comme avant, compris? J'ai pris ma décision. Je vais me battre pour ce que je veux protéger. Je ne vais pas rester spectatrice comme toi. Je n'ai plus besoin de ton aide. Ce n'est pas encore fini. Il est hors de question de... Argh. C'est quoi son arme à Nerin? Swan, tu ne retiens vraiment pas tes coups, on dirait. Pourquoi? Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Tu n'as quand même pas abandonné ton trône juste pour me mettre des bâtons dans les roues, si? Où est passé ton sens du devoir? Ah, ça y est, là, il va comprendre l'entourloupe qu'il a vécu pendant des années.
Coral, pour la énième fois, ce n'est pas la princesse. Daisy, tais-toi! Ne dis pas un mot de plus! Daisy, c'est l'innocence même, c'est... elle comprend pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Pourquoi? Coral doit s'en rendre compte lui-même. Ça doit être si dur pour elle. Pour Nérin? Pourquoi? Ah là là, est-ce que tu peux être longue à la détente? Je t'expliquerai plus tard. Jusqu'à ce que tu finisses par comprendre. Allons-y, Certa. Oula, elle a ressorti l'arme directe, là. Comment? Et le trou dimensionnel? Il y a plus important pour l'instant. Je ne voudrais pas perdre notre nouvel allié. Oui, d'accord. Hé, attendez! Copie, non! Le trou dimensionnel est notre priorité pour l'instant. Oh oui, c'est vrai! Dakodak! Voilà le combat. Du coup. Un joli petit monstre. Qu'est-ce que c'est que ça? Le gardien du trou dimensionnel. Et nous voulons le fermer. Nous devons d'abord terrasser ce dragon. Allez les amis! Le dragon fantôme de Symphonia. Eh oui, c'est bon, il y est. Ils sont mignons de refaire pop un truc. Attention, il faut voir cette unité spécifique. Mais elle est dans l'équipe, donc c'est bon. Des fois, les pop-up comme ça, c'est un peu trop présent. Pourquoi Coral laisserait le trou dimensionnel à l'abandon, comme ça? Bonne question, à mon avis. Concentrez-vous, on s'occupe d'abord du dragon. On aura le temps de discuter plus tard. Très juste, toutes mes excuses. Arthur. Là, ici. Voilà, la dissipation acuité. Donc 2003, faiblesse feu, vent. Bon. Comme ça, à vue de nez, je dirais qu'un double... Non, un simple sabre dense sera suffisant, à mon avis. Ah! Un peu trop optimiste, quand même, mais... Ah oui, mais en plus, je suis... Non, en plus, normalement, c'est Lid qui s'occupe de ça sur les boss, lui. Elle a vu qu'elle a du debuff. Pour ces deux zones, ça aura pris presque une demi-heure. Ouh.
Là, cette histoire, c'est sa pu qui va ressortir, le fantôme, à un moment donné. Donc, le trou dimensionnel va revenir, plutôt. Oui, on a réussi. Oh. Gain de pouvoir. Finalement, après, la magie bleue, Mother. Eh bien, on dirait que tu as encore pris du galon, Fina. Oui. Et comme si un tout nouveau pouvoir s'était éveillé en moi. Gah ! Bien, Bruce, à toi de jouer. Très bien. Laissez-moi faire. Alors, la musique va revenir, hein? Je me le demande. La barrière n'est toujours pas réapparue. Il semblerait que notre mission ne soit pas encore tout à fait terminée. Ce qui veut dire qu'il reste un trou dimensionnel quelque part. Je vois. Voilà qui explique pourquoi Coral a lâché l'affaire aussi facilement. Il n'y a pas de temps à perdre. Commençons nos recherches immédiatement. Et les monstres? Toute l'école est en danger. Fina a raison. Nous devons d'abord nous assurer que tout le monde est en sécurité. Monsieur le principal, vous devez me protéger à tout prix. C'est un ordre. Arg. À l'aide, au secours. C'est bien ma veine de tomber avec une poule mouillée dans pareille situation. Ce serait donc le baisser de rideau pour moi, Axel la Magnifique. Non, pas comme ça. Vous allez bien? C'est vous? Merci de nous avoir sauvés. Mais il y a encore beaucoup de monstres. Ah, je ne sais pas quoi faire. Tout le monde est en danger, les élèves, les professeurs. Calmez-vous, monsieur. Les gens ont besoin d'un chef en ce moment. C'est à vous d'assumer ce rôle, non? Eh bien, oui, mais... Je n'avais pas prévu une telle situation. Tu m'étonnes. Arrêtez de vous chercher des excuses. C'est en grande partie de votre faute si tout ça est arrivé. Bah, il n'était pas au courant de ce qui allait se passer non plus, hein. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous qui avez truqué le concours. C'est à cause de vous que Certa a rejoint les gardiens du fantôme. Les gardiens de quoi? Oui, ils sont des années-lumière du principe. Les scélérats qui ont provoqué ce chaos. C'est impossible. Mais je n'ai rien souhaité de tout ça. Ce n'est pas ma faute. Ça va, nous le savons bien. Axel, nous allons nous occuper de sauver l'école. Et quand tout sera terminé, nous pourrons profiter de la fête tous ensemble. Oui, d'accord. Il faut aller sauver les élèves. On compte sur vous pour les évacuer ensuite, monsieur le principal. D'accord. M'en charge. Jour 1, l'aile ouest. Je pense que dans l'idée, on en a plus besoin. Donc, on va retourner sur la mage du lotus pour gruger des matériaux supplémentaires.
Et est-ce que Kiyomi, à un moment donné, va prendre les armes? Ou pas? Tout le monde compte sur nous, les amis! Et on ne veut pas que la fête de l'école soit un fiasco, pas vrai? Les Égyptiens avaient l'air vraiment enthousiastes en plus. C'est vrai, on ne voudrait pas les décevoir. Ah oui, c'est ça, il faudrait que je m'occupe avec la... pour la prochaine fois. De monter la petite lit d'avatar de guérison dans cette étoile. Bon, par contre, je pense qu'elle aura pas autant de... elle aura pas autant de dégâts, je pense, à fournir, mais... elle doit avoir d'autres choses à proposer à la place, sûrement. Faut juste que je prenne le temps de regarder à nouveau ce qu'elle possède. Ben c'est ça qui s'il y a un changement de team, autant qu'il y en ait, autant que ce soit deux d'un coup. Ah oui, du coup, vu qu'on a eu les combats dans la première zone avec où il fallait la Fina à... Mage du Lotus, du coup, on n'a pas eu les autres. Le cheminement classique des objectifs. Du coup, là, on va retrouver. Appeler une chimère. Exactement, appeler une chimère. Oui, et d'ailleurs, ben, j'ai rien fait pour avoir la chimère en plus, hein, on est d'accord. J'en ai parlé, mais j'ai rien fait pour. Hein.
les trois petits pouces. Ah oui, 280 000, c'est ce qui me semblait aussi. Hein, 80% de stats de debuff, ouais, c'est quand même assez bon ça. La récup. Ça devait être le dernier. Les étudiantes sont encore sous le choc, mais au moins la situation est sous contrôle. Pour le moment, qui sait quand d'autres monstres vont à nouveau débarquer. Tu as raison, on doit être prêt à faire face à toute situation. Rien que nous, sans personne d'autre, dans une école aussi grande, comment on va s'en sortir ? Je peux peut-être vous aider à renforcer la sécurité. Avant l'érection de la barrière... Là, il y a un mot qui me surprend mais ok. Nous avions d'autres moyens de nous protéger. Je vais voir ce que mon père peut faire. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Merci pour votre aide. Nous allons pouvoir nous concentrer sur le trou dimensionnel. Dites, qui êtes-vous vraiment ? Eh bien, on est... Fina, attends ! C'est le moment de le faire ! Hein ? Sérieux ? Tu veux vraiment le faire ? Oh non, qu'est-ce qu'ils ont concocté, les filles ? Ah, je savais que ça finirait par arriver. Nous ne pouvons pas y échapper, j'ai l'impression. À 3. 1, 2, 3. Nous sommes les héros du fantôme. Oh, punaise. Ah, mon dieu. En mode Power Rangers, quoi. Chacun sa couleur. Les héros du fantôme. C'est comme ça que Korra nous appelle, non? Alors, on s'est dit que, tant qu'à faire, autant garder ce nom. Et ensuite, on a imaginé ces poses super classe. Les héros du fantôme. Des guerriers nés pour fermer les trous dimensionnels, libérant les mondes du joug du fantôme. Ma foi, ce nom me semble fort à propos. Mais tu es aussi un héros du fantôme, Bruce, non ? Moi ? Oh non ! Vraiment ? Mais tu peux fermer les trous dimensionnels, et tu as l'air immunisé contre le brouillard. Ça fait assez héros du fantôme, si tu veux mon avis. Non, non, je vous assure que je suis une personne tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Hmm...
Et Lénore? Lénore est tout aussi vulnérable au brouillard que n'importe quel autre enfant. Alors les seules personnes qui ne sont pas affectées par le fantôme sont... les héros du fantôme, les gardiens du fantôme, Bruce et Roca, c'est ça? Roca est un super bébé, c'est donc normal qu'elle y résiste. Ça fait un moment que cette question me taraude, alors je vais profiter de l'occasion. Comment se fait-il que tu sois immunisé contre le brouillard, Bruce? Comment peux-tu fermer les trous dimensionnels si tu es une personne tout ce qu'il y a de plus ordinaire? Eh bien... Fina, je suis sûr que tu connais la réponse, toi. Tu voyages avec lui depuis si longtemps. Elle va dire, bah non, je ne sais pas. Non, j'en sais pas plus que vous. Et tu ne lui as jamais posé la question? C'est pourtant super important comme info, non? Eh bien... n'avait pas trop l'air de vouloir en parler, alors j'ai pas osé. Il est vrai que je n'ai pas été très bavard sur ce sujet, et je m'en excuse. Mais ne vous en faites pas, un jour, tout deviendra parfaitement clair. Je vous demande juste encore un peu de patience. D'accord, d'accord. Si tu tiens tant que ça à garder le secret... si nous sommes sûrs de connaître la vérité un jour, j'imagine que nous pouvons laisser tomber ce sujet pour le moment. Bien, fin de la discussion. Pour l'instant, concentrons-nous sur le trou dimensionnel. Le seul brouillard que nous ayons aperçu pour l'instant provenait du trou dimensionnel de l'auditorium. Je pense que nous pouvons en conclure que l'autre trou dimensionnel se trouve également dans un endroit clos. Nous savons aussi que les monstres de l'école ne se sont pas calmés après avoir fermé le premier trou dimensionnel. Ce qui voudrait dire que l'autre trou dimensionnel se trouve aussi quelque part sur le campus, c'est exact? C'est la conclusion la plus logique selon moi. Cléomé, on pourrait peut-être enquêter sur les autres mystères de l'école. Oui, il y en a encore 4. Dans ce cas, il est temps de reprendre nos recherches. Le plus proche devait être le rempart frétillant. Selon la rumeur, on peut voir le mur extérieur frétiller. Il paraît que ça file la chair de poule. Un mur qui frétille? Ça ne me paraît pourtant pas bien dur de rester immobile. On ne lui demande pas grand-chose. Je ne veux pas y aller. Mais on n'a pas trop le choix, n'est-ce pas? Non, faut y aller, hein. Et désolé, Daisy, tu peux nous y amener, Cléomé? Oui, bien sûr. Donc ça y est, les choses commencent petit à petit à se... on va pas dire à se décanter, mais à se profiler. Ah, on retrouve du coup l'équipe dans le monde réel. Aux prises avec les monstres. Bon sang, il y a vraiment quelque chose qui cloche. C'est comme si mon corps refusait de m'écouter. Si on ne peut pas utiliser nos pouvoirs, il va falloir s'en remettre au travail d'équipe. Compris. Allez, Lyd, l'heure est venue de terrasser les forces du mal avec le pouvoir de notre amour. Putain. Oh putain. Jake, tu veux bien la boucler? On est en plein combat là. Toute rouge. Bon, ils étaient mal partis. A priori, ça va, mais... un peu compliqué, quand même. Pfiou ! On a réussi à s'en sortir en un seul morceau. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous battre normalement ? Ah, et du coup, le vrai monde, il y a le fantôme qui est apparu et qui a volé le pouvoir des gens. Donc du coup, niveau combat, il n'y a plus grand monde qui peut combattre. Je pense que c'est à cause de ce brouillard. Ce brouillard argenté?
Qu'est-ce qui te fait penser ça? Quand je suis rentré en contact avec lui, j'ai oublié d'un seul coup comment piloter l'aéronef. Je veux dire qu'en un instant, tu ne connaissais plus les commandes. Oui. C'est pour ça que nous nous sommes écrasés. C'est quand même incroyable, non? Il me serait sans doute plus facile d'oublier mon propre nom que de ne plus savoir comment piloter un aéronef. Ça se tient. Quand j'ai touché le brouillard, j'ai senti que mes aptitudes au combat s'envolaient. Les compétences de pilotage de lead, nos aptitudes au combat. Il semble que ce brouillard nous prive de nos spécialités. Comment? Impossible. Je veux dire que j'ai perdu ma capacité à faire tourner la tête des filles. Non, ça, toi, tu l'as pas perdu, ça, Jake. Non, tu l'as pas perdu. Lynn, t'as jamais eu ce genre de capacité. Borg! On a perdu nos spécialités? Quelle horreur! Que va-t-il m'arriver si la soigne ne sait plus faire son refri? Je ne sais pas si j'y survivrai. Ça, non. Fidalis, ça, je pense qu'il a toujours ses compétences de cuistot, donc il n'y a pas de problème, là. C'est vrai. Il est fort possible que j'ai aussi perdu ma capacité à cuisiner. Essaye donc d'en faire maintenant, pour voir. Et ta soupe maison aussi. Cela ne me dérange pas, mais je n'ai plus d'ingrédients sur moi. Une soupe maison? C'est la première fois que j'en entends parler. Comment dire que tu étais pas là, forcément, puisque c'était quand ils étaient à Palladia, donc c'est normal que tu saches pas. Vraiment? Il faut absolument que tu la goûtes, c'est exquis. Eh bien, qu'attends-tu? Prépare-la immédiatement. Quand je pense que je suis la seule à ne jamais y avoir goûté, je n'ai jamais ressenti autant de regrets de toute ma vie. La préparer bien, mais comme je l'ai dit, il me manque des ingrédients. Allons, de si minces difficultés ne sauraient faire obstacle au roi de S, n'est-ce pas? Pourquoi elle rembarque? Il se trouve que si. C'est pas tout ça, mais on doit surtout trouver comment s'en sortir. Lassoel, Elmol devrait se trouver à la bibliothèque magique, n'est-ce pas? C'est exact. Sakura lui en avait parlé, et il avait dit qu'il fallait absolument qu'il y aille. Il saura peut-être quelque chose à propos de ce brouillard. Peut-être. Allons voir à la bibliothèque si on peut en apprendre plus. Nous vous accompagnons. Nous devons aussi envoyer un message à Grandchild et aux autres nations. Hé, on dirait bien que notre voyage est encore loin d'être terminé. Oui, tu as raison. Hurrah, c'est génial, la soelle. Il est très enfant. Comment fait-elle pour agir comme ça aussi naturellement? C'est sans nul doute l'une de ses plus grandes forces. Mais je ne me laisserai pas distancer. Hurrah! Tout va bien, Charlotte? Oui. Ce n'est rien. Lis ça. Ah, c'est l'insouciance de Physalis qui fait toute sa richesse au personnage. Ah! Voilà un début de réponse sur ce qui se trame dans le... Du coup, ils sont où? Ils sont à Lapi ou à Palladia au final?
Techniquement, je dirais à Lapi, vu que c'est avec l'idée de Jake, mais... Compliqué de savoir réellement. Bref, donc c'est là-dessus que je vous laisse pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.